C'est le mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Erling Haaland au Barça. Mais avant de parler d'Erling Haaland qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Haaland au Barça. Où jouera le phénomène norvégien Erling Haaland la saison prochaine si son départ du Borussia Dortmund en fin de saison ne fait guère de doute, reste à savoir quel club européen arrivera à s'offrir le talentueux attaquant norvégien de 21 ans. Parmi les clubs européens qui veulent s'offrir les services d'Erling Haaland, il y a le FC Barcelone, le PSG et le Real Madrid. Mais le Barça aurait décidé de passer la vitesse supérieure à en croire le quotidien néerlandais The Telegraph. Une réunion censée rester secrète entre le président du club catalan Juan Laporta, son conseiller technique Jordi Cruyff et l'agent d'Erling Haaland Mino Raiola se serait récemment tenu au courant. Interrogé par la presse espagnole ce vendredi sur une potentielle arrivée du géant scandinave Erling Haaland, le président catalan Juan Laporta est resté effacif. On a bien travaillé durant le mercato d'hiver. On espère qu'on travaillera bien également cet été et que tout le monde sera satisfait de ce qui lui aura été fait, à confier le président du Barça. Erling Haaland ou FC Barcelone, ça se rapproche de plus en plus. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée d'Erling Haaland à Barcelone est vraiment une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésite surtout pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste, c'est logiquement, c'est évidemment le plus important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut.